Hier matin, Sofiane, manager de Calaouette pour Calimantan, avec Bob, mon assistant, ils sont arrivés avec Calaouette avec 10 gibbons. Ce sont en fait des gibbons qui ont été sauvés par le professeur Birute Galdikas. Vous connaissez cette dame, cette primatologue célèbre qui a étudié les orangs-outans depuis, qui étudie les orangs-outans depuis maintenant, je vais dire, 40 ans. Et voilà, donc quand nous on reçoit des orangs-outans, on lui envoie dans son programme de réhabilitation des orangs-outans. Et quand elle reçoit des gibbons, eh bien, elle nous les envoie. Et là, je crois qu'on a été gâtés. 10 gibbons, pour nous, c'est encore une fois pousser les limites des capacités de Calaouette pour pouvoir accueillir ces animaux qui sont tous en bonne santé parce qu'ils ont été entre de bonnes mains. Donc là on est capable d'envoyer déjà 6 gibbons dans des cages de quarantaine qui ont été préparées pour leur arrivée. Et puis les 4 autres gibbons sont à la clinique parce qu'ils ont besoin de soins. Bon. Donc là, il y a une discussion entre l'équipe pour savoir exactement où on place les gibbons en fonction des contacts visuels entre les gibbons eux-mêmes. Les individus qui sont introvertis, il ne faut pas les mettre à côté d'individus qui sont, eux, plutôt dominants, puisque sinon, simplement avec le contact visuel, ils vont être intimidés en permanence. Donc c'est comme ça, parfois un casse-tête d'essayer de positionner tous les animaux. Et c'est aussi pour ça que toutes les volières sont isolées comme ça dans la forêt, pour limiter les contacts visuels entre les volières. Samping sebenarnya pintu kata saya udah terbiasa. Coba tadi kita tahu nih. Voilà, donc ça c'est les animaux qui restent à la clinique pour le moment. Un peu plus d'observation de la part des vétérinaires pour eux. Ils sont ou trop maigres ou des problèmes de poils. Et voilà, mais bon, ça c'est l'histoire de quelques heures, je pense, avant de pouvoir les mettre aussi en volière dans la forêt. Là, au total, dans la clinique, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gibbons dans la clinique. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe.
Je vous rappellerai jamais assez que c'est pas du tout le nombre de gibbons à Calaouette qui fait le succès de Calaouette, c'est plutôt l'inverse. On aimerait voir des cages vides et la clinique surtout vide. Mais bon, face à la situation ici en Indonésie, il n'y a pas le choix. On est toujours submergé de gibbons. Certains sont extrêmement stressés comme nous, à cause du voyage, de tout ce qu'il a pu vivre. Parfois, il y a un peu l'impression d'être dans une sorte d'hôpital psychiatrique pour gibbons. Leur comportement, leurs habitudes, leurs réflexes n'ont rien à voir en fait avec les gibbons sauvages, à cause justement de tout ce qu'ils ont pu vivre.